وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى a créé ses créatures et l'a choisi parmi ses créatures les prophètes, alayhim salatu wassalam, qu'il a envoyés à l'humanité pour leur enseigner leur objectif et la pratique de la religion par laquelle les gens peuvent accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces prophètes, alayhim salatu wassalam, envoyés par Allah, sont les meilleurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs des hommes. Et à leur tête, l'imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, l'imam des prophètes, et le meilleur des prophètes choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être le dernier prophète et messager à cette communauté qui a été envoyé comme miséricorde et guidé pour les mondes. Étant donné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam selon ce qu'Allah lui a révélé, et Allah ta'ala dit « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est descendue. Et ses compagnons, radiyallahu anhum, ont été choisis par Allah pour être en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui et qui sont morts sur la foi, ceux qui nous ont transmis cette religion à son état pur, ceux qui ont vécu la révélation du Coran et qui ont vécu les différentes situations qui se sont passées au temps du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui sont les meilleurs hommes de cette communauté, qui sont les meilleurs hommes de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour celui qui les aime. Et il a invoqué Allah contre celui qui les déteste. Et il a dit, celui qui les aime par leur amour, aime-les. Et pour celui qui les déteste par leur haine, déteste-les. Il a invoqué Allah contre celui qui déteste les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car quand tu insultes ou tu critiques ou tu dénigres les compagnons d'une personne, ça veut dire qu'en réalité, tu dénigres qui ? La personne en elle-même. Car une personne bien n'est qu'en compagnie de bonnes personnes. Allah Ta'ala nous a enseigné ça dans le Coran. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mar'u ala dini khalili » La personne a la même religion que son compagnon, que son meilleur ami. Donc, dénigrer et rabaisser et insulter les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, c'est en quelque sorte insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dénigrer la sagesse d'Allah. Comme quoi Allah n'aurait pas choisi les meilleurs hommes pour être en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah les a choisis pour être les naqalatu hadha ad-din, ceux qui ont transmis cette religion. Et spécifiquement les savants parmi eux. Les savants parmi les sahaba, radiyallahu anhum. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith sahih, certes, les savants sont les héritiers des prophètes, car les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science.
Et celui qui l'a prise, celui qui a pris la science, il a pris la part la plus grande en islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a nommés héritiers des prophètes. Warathatul anbiya. Et il a même dit fadlul alimi ala al-abid. La supériorité d'un savant sur un dévot, pas sur un égaré, pas sur un dévoyé, pas sur un pervers, sur un dévot, sur quelqu'un qui adore Allah la nuit et qui jeûne le jour. La supériorité d'un savant sur un dévot, il a dit, c'est la même supériorité que moi par rapport au plus bas d'entre vous, des sahaba. Où il a dit, c'est la même différence qu'il y a entre la lune quand elle est en son plein quartier et les petites étoiles. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire que toute chose invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, pour celui qui enseigne le bien aux gens. Même les poissons dans l'eau, même les fourmis dans leurs trous, toute chose invoque Allah, ta'ala, celui qui enseigne le bien aux gens. Car cette personne qui enseigne le bien aux gens, c'est une rahma pour toute chose. C'est une rahma même pour le kafir. C'est une rahma même pour les fourmis, même pour les poissons, même pour les végétations. Car elle va enseigner aux gens de donner le droit à chaque chose et de ne pas faire la corruption sur terre et d'être juste avec chaque créature, qu'il soit musulman, qu'il soit mécréant, que ce soit même une créature inerte. L'islam a interdit même de casser une branche sans raison valable ou de brûler des champs ou de tuer des bêtes ou des animaux ou des insectes. Alors comment l'islam accepterait de tuer des âmes innocentes ? Alors que l'homme est la meilleure créature qu'Allah a créée. C'est-à-dire qu'il a soumis tout sur cette terre. Il a soumis toutes les choses à l'homme. Il lui a donné une supériorité. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, wa laqad karramna bani Adam. Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé sa communauté après lui sur une voie bien droite, rectiligne, bien claire, dont le jour et la nuit sont bien distincts. Ne peut s'en écarter que celui qui est voué à sa perte. Et il a fait que cette religion, elle a été portée en héritage par les héritiers des prophètes qui sont les savants. Donc en premier lieu, les savants parmi les sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, puis les abadila, les plus jeunes parmi les sahaba qui ont pris des grands sahaba qui étaient connus pour leur science, comme Abdullah ibn Abbas, comme Abdullah ibn Omar, comme Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Mas'ud, pas parmi les jeunes, parmi les grands sahaba, qui a dit, je jure par Allah qu'il n'y a pas un verset qui est descendu, qui est révélé, sans que je sache où il a été révélé et comment il a été révélé. Donc ces savants-là, parmi les sahaba et d'autres que je n'ai pas cités, ils ont pris cet héritage, qui est l'héritage de la prophétie, qui est la science religieuse, dans la croyance, dans l'adoration, dans le comportement, dans les relations entre les gens, dans la religion dans sa totalité, et non pas une partie de la religion. Et il n'y a pas en islam une partie qui doit être délaissée, ou dire, ah ouais, mais par exemple, telle chose, c'est pas important, c'est que l'aspect extérieur, ou telle chose, c'est pas important, c'est que des futilités. Il n'y a pas de futilité en islam. Tout ce qu'Allah a légiféré, c'est important. Il y a des degrés d'importance entre eux, bien sûr. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Mais de là à dire qu'il y a des futilités et délaisser une partie et prendre une partie de la religion et délaisser une partie de la religion, ça c'est ce que les juifs ont fait. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a critiqué, qu'il prenait une partie du livre et qu'il délaissait une partie du livre. Et Allah nous a dit, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaf, entrer dans la soumission et en islam en entier, à travers tous ces aspects. Et non pas seulement un aspect ou un autre aspect en délaissant les autres aspects de l'islam. Donc, ils ont pris cet islam pur, comme il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, comme il a laissé dessus les sahaba radiallahu anhum sur une voie rectiligne, bien claire, comme on distinguerait la nuit et le jour. Ne s'en éloigne que celui qui est voué à sa perte. Et les sahaba radiallahu anhum ont pris cette amana, ce dépôt, cette science religieuse, comme un dépôt énorme, et l'ont transmise comme un héritage à ceux qui sont venus après eux, tabi'in, les suiveurs, ceux qui ont connu les sahaba et qui ont appris d'eux et qui sont morts sur la foi. Ces suiveurs-là et ceux qui les ont suivis,
cette génération qu'Allah a louée dans le Coran. Il a loué les Sahaba dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant de ceux qui contreviennent à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait dissension avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui a été exposée, et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants, nous le retournerons sur ses pas, puis nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise demeure. Dans ce verset, nous pouvons distinguer qu'Allah ta'ala ne s'est pas suffi de citer seulement ceux qui contreviennent et qui font dissension avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit celui qui fait dissension avec le messager d'Allah, on le retournera sur les pas, et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants. Il a lié le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et déterminé et défini le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam par quoi ? Par le chemin des croyants. Sabilul mu'minin. Qui sont ces croyants dont Allah Ta'ala parle dans le Coran ? Sabilul mu'minin. Ce sont les croyants dont Allah Ta'ala parle dans le Coran quand il dit « Et si eux, ils croient de la même manière que vous, vous avez cru, alors ils seront bien guidés. » Qui sont ces gens-là ? Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui ont bien compris cette foi et cette voie. Donc, ils l'ont transmise aux tabi'in et aux tabi'in. Et comme on a dit, Allah a loué cette génération. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a loués en disant, les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivent, et après cela, il n'y a pas un siècle qui viendra sans être pire que l'autre, sans être pire que celui qui l'a précédé. Donc, ceux-là ont reçu l'attestation d'honorabilité et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, en parlant des sahaba et ceux qui les ont suivis, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, les premiers, les prédécesseurs, les précurseurs, sabiqun al-awwalun, parmi ceux qui ont fait l'égir, et l'ansar, ceux qui les ont assistés, puis ceux qui les ont suivis de la meilleure, avec perfection, Allah est satisfait d'eux, Allah les agrée, et eux ils agréent, ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette science religieuse, qui est cet héritage prophétique, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui l'a prise, il a pris la plus grande part en islam, elle a été transmise de cette manière-là. Du prophète, alayhi salatu wassalam, à ses compagnons, de ses compagnons aux tabi'in, des tabi'in, aux tabi'in. Et comme ceci, c'est un héritage qui a été transmis des premiers jusqu'aux derniers. Des premiers, des prédécesseurs aux successeurs. Et c'est pour ça que c'est un héritage qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Walhamdulillah. Mais malheureusement, on n'y a pas donné son importance. La science religieuse, mes frères, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ont la même valeur ? C'est-à-dire, c'est une question dans le sens de l'affirmation ou bien de la critique. Est-ce que vous pensez que c'est la même valeur ? C'est affirmé. C'est encore plus fort que te dire ceux qui savent ont plus de valeur que ceux qui ne savent pas. C'est tellement évident, c'est donné sous forme de question. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ont la même valeur ? Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le sens des versets, certes Allah élève les croyants parmi vous et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. Allah ta'ala dit aussi dans le sens des versets, certes, seuls les savants craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala ou comme il se doit. Et il n'y a pas une chose pour laquelle Allah Ta'ala a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de demander du surplus de cette chose-là si ce n'est la science religieuse. Car il lui a dit, et dis ô Muhammad, rajoute-moi de la science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une dua qu'on dit chaque matin et dans laquelle il a demandé tout le bien de ce monde et de l'au-delà. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, je te demande une science utile, une subsistance bonne, pure et des œuvres acceptées. En ces trois mots, il a demandé tout ce qu'une personne a besoin dans la vie. Une science utile pour œuvrer avec dans ton adoration, une subsistance halal et bonne et pure, ce à quoi tu vas vaquer dans ta journée, dans tes occupations, et que tes œuvres elles soient acceptées. Acceptées, comment elles seront acceptées ? Quand elles sont faites sincèrement pour Allah Ta'ala, sans lui donner aucun associé, puis de la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, avec cette science justement qui nous est transmise. Donc, la science qui est citée dans ces versets
Sans aucun doute, c'est la science religieuse qui est voulue par cela. Et non pas la science de ce bas monde. Non pas que certaines sciences de ce bas monde ne soient pas utiles ou qu'elles ne soient pas obligatoires. Dans certains cas, elles peuvent même être obligatoires pour certains musulmans, pour l'intérêt de la communauté. Par exemple, il y a certaines sciences dont la communauté a besoin. Mais il est clair et net que ce n'est pas cette science qui donne une supériorité, cette science qui donne cette supériorité que Allah a nommée dans le Coran ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommée. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est le meilleur des hommes et le plus grand des savants, ne connaissait pas les sciences de la vie de cette terre en détail. L'ingénierie ou la médecine, bien qu'il ait donné certaines choses dans la médecine, des bases, mais ce pourquoi elle a été envoyée, c'est-à-dire à ce qu'il a transmis comme science, c'est la science religieuse. Quelle est cette science religieuse? Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, min al-bayyinati wal-huda, comme preuve évidente et comme guidé. D'ailleurs, pour affirmer ce point-là, quand le prophète, alayhi salatu wa salam, est entré à Al-Madinah, ça c'est dans le Bukhari, comme vous savez, les gens de Médine étaient connus pour planter des dattiers, pour profiter des dattes, des agriculteurs. Il a trouvé qu'il faisait un procédé qui consiste à rapprocher le pollen des dattiers mâles aux dattes femelles pour que d'autres dattiers puissent pousser. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté d'eux, il les a vus faire cela, il a dit « Je ne pense pas que ça va vous servir à quelque chose. » Eux, ils ont compris cela comme un ordre religieux, comme une interdiction du prophète, alayhi sallatou wassalam, comme une révélation. Ils ont délaissé ce procédé. Et subhanallah, ils n'ont pas eu de date. Et alors, ils sont venus se plaindre au prophète, alayhi sallatou wassalam, en lui disant, messager d'Allah, tu es passé à côté de nous, nous avons compris de toi telle ou telle chose, tu nous as dit que ça nous sert peut-être à rien de faire cela. Il a dit non, ça c'était juste un avis, ce n'est pas un ordre religieux. Et je peux me tromper sur les avis de la vie terrestre. Si je vous ordonne une chose de votre religion, prenez-la. Et si je vous interdis une chose, délaissez-la, vous connaissez mieux vos affaires de ce bas monde. C'est-à-dire les choses dont vous êtes spécialiste, toi tu es agriculteur, l'autre il est ingénieur, c'est des choses, celui qui les connaît d'une manière claire, il les a appris après l'expérience ou une science qui ne contredit pas l'islam. Alors ces choses-là, ça fait partie des choses licites de la vie. Ce n'est pas, l'islam il n'est pas venu enseigner les détails de ces points-là. Bien qu'ils peuvent être utiles, et comme on a dit, ils peuvent même être obligatoires dans certains cas, fardu kifaya, une obligation communautaire, si la communauté musulmane en a besoin. Et la personne en est récompensée si elle connaît cette science pour être au service de la Ummah. Bien sûr, tant que cette science ne contredit pas les sciences religieuses. Mais la science dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas celle-ci. C'est la science de l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Muawiyah, le hadith rapporté par l'imam muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il le rend verset dans les sciences religieuses. » Donc on voit bien ici que ce qui est spécifié ici, c'est les sciences religieuses. Donc non pas comme certains disent que un savant de biologie, en biologie ou un savant, c'est ça qui est voulu par un savant. En islam, c'est lui le savant. Non. En islam, le savant, c'est celui qui connaît les règles de la sharia, dans la aqida, dans le fiqh. Si en plus il connaît, alhamdoulilah, la biologie, l'ingénierie, la médecine, c'est un plus, alhamdoulilah, qui peut être bénéfique, comme nos anciens savants, ils connaissaient la science religieuse en détail, puis ils avaient des connaissances en astronomie, ils avaient des connaissances dans certaines sciences de la physique, chacun selon ses spécialités. Alhamdulillah. Une fois qu'on a donc compris cela, l'importance et la place de la science et des savants en islam, alors normalement chaque musulman doit savoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. Quelle est cette part qui est obligatoire à chaque musulman? Est-ce qu'il est demandé à chaque musulman d'être un savant? Est-ce qu'il est demandé à chaque musulman de connaître les détails des règles de la jurisprudence? Est-ce qu'il est demandé à chaque musulman de savoir, par exemple, les règles de l'héritage? Non, ce n'est pas ça que veut dire ce hadith. Et ce n'est pas cette science-là qui est une obligation individuelle. Cette part de science, de connaître tous les détails, on va dire, tous les aspects de l'islam, c'est une obligation communautaire. Dans le sens qu'il faut au moins assez de savants
sur terre ou dans chaque ville ou dans chaque contrée pour pouvoir répondre à la demande des gens. Ça, c'est l'obligation. Si par exemple, on est dans une contrée, dans une région ou dans une ville, il n'y a aucune personne qui répond à cette demande. Et personne ne fait l'effort parmi la communauté de, on va dire, de choisir une personne apte ou de préparer une personne à se libérer pour cette obligation. Alors tous les musulmans sont pécheurs. Pourquoi ? Car là, c'est la porte ouverte à la perdition. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans cet endroit pour enseigner la religion, pour enseigner le halal et le haram, pour répondre aux questions des gens. Comment ils vont vivre, les gens ? Comment ils vont adorer Allah ? Comment ils vont connaître, est-ce que leur interaction qu'ils font tous les jours, elles sont licites ou illicites ? Comment ils vont mettre en pratique l'objectif pour lequel Allah les a créés ? Comme Allah Ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes et les humains que pour m'adorer, c'est-à-dire pour m'obéir et me vouer un culte exclusif. Donc, comment imaginez-vous des contrées entières ou des villes entières ou des régions entières où il n'y a pas des personnes qui sont aptes à enseigner l'islam authentique aux musulmans. Le besoin qu'on a de la science authentique, il est plus grand que le besoin qu'on a de l'eau, de la nourriture, de l'air et des choses essentielles pour vivre. Car c'est l'objectif, cette science authentique, elle nous aide à... Elle est le moyen légiféré pour pratiquer ou pour mettre en œuvre l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Sans cette science authentique, l'homme sort de son objectif. Il ne peut pas mettre en pratique le but pour lequel Allah l'a créé. La science authentique, tu en as besoin dans chacun de tes pas. Dans tes pensées, dans ta croyance. Tu as besoin de savoir, est-ce que tu as le droit de croire en telle chose ou tu n'as pas le droit de croire en telle chose. Est-ce que telle croyance est juste, cette croyance elle est juste, elle est compatible avec ce qu'Allah Ta'ala a révélé, ou elle est contradictoire. Tous les jours, tu fais des actes. Tous les jours, nous prions. Tous les jours, nous faisons les ablutions. On a besoin de savoir comment faire les ablutions, comment prier correctement, comment rattraper ses prières. Si on a fait une erreur, comment la corriger. La prière, la salat, qui est parmi les œuvres du corps, l'œuvre la plus importante, le pilier de l'islam. Tous les jours, nous travaillons. On a des interactions tous les jours, commerciales, sociales. On a besoin de savoir quel est le statut de l'islam sur ces points. Comment est-ce que mon travail est légiféré ou non? Est-ce que l'argent que je prends, il est halal ou non? C'est important. En dehors du fait qu'on fait un péché, qui n'est pas des moindres, c'est une cause que les invocations soient rejetées par Allah. Et c'est une cause de mériter le châtiment de l'enfer. Donc la science authentique, on en a un besoin vital. Une petite anecdote, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'était le mufti d'Arabie, juste avant le mufti actuel, rahimahullah, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ils lui ont posé la question, il m'arrive parfois de mettre une sandale, d'habiller une sandale sur un pied, et de faire quelques pas pour aller chercher l'autre sandale. À savoir que dans l'islam, il y a un hadith qui interdit de marcher avec une seule sandale. Donc, pour que vous compreniez la réponse. Est-ce que ceci m'est autorisé? Il lui a dit, mon enfant, si tu peux ne pas faire un pas dans ta vie sans désobéir à Allah, alors fais-le. Et donc il a choisi une situation réelle pour lui donner une image, pour lui dire qu'un pas, c'est-à-dire ici c'est un pas, tu fais des pas, mais c'est-à-dire toute chose que tu fais dans ta vie. Un seul pas, là tu dis deux, trois pas, tu as déjà dépassé. Tu as fait trois pas avec une sandale, trois pas. Alors que le musulman, un seul pas, il ne le fait pas en désobéissant à Allah Ta'ala et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc, pour montrer comment le musulman a un besoin vital de la science religieuse. De même qu'il faut savoir que les savants font partie de ceux dont Allah Ta'ala a dit dans le Coran qu'il fallait leur obéir. Bien sûr, à condition que ce soit sous l'obéissance d'Allah et de son messager. Allah Ta'ala dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. » Les Mufassirin, parmi les Sahaba et les Tabi'in, ils ont expliqué qui sont ceux qui détiennent le pouvoir. Ils ont dit que ce sont deux catégories. Les gouverneurs musulmans qui détiennent le pouvoir politique et les savants qui détiennent le pouvoir moral, religieux. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de revenir vers eux quand on est ignorant. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel quand vous ne savez pas. Et les gens du rappel, ad-dhikr, ici, qu'est-ce qui est voulu par ad-dhikr?
les savants ont expliqué dhikr, le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car Allah Ta'ala a nommé le Coran dhikr et a nommé la Sunna dhikr. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé ce rappel et il a dit, certes c'est nous qui avons révélé dhikr, le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver, de le protéger. Dhikr, ce n'est pas seulement le Coran, mais le Coran et la Sunna. Car les deux sont une source de règles et de législation en islam. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, n'est-ce pas, il m'a été donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et une autre chose équivalente avec, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Ta'ala a dit dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a révélé sur toi le Coran, al-kitab, le livre, et la sagesse. Et c'est quoi la sagesse ici? C'est la sunna du prophète authentique. La sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'est pas prouvé être authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne rentre pas dans la sunna. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et rappelez-vous ce qui est lu, récité dans vos maisons du livre et de la sagesse. Donc le livre et la sagesse, c'était récité, c'était clair au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça fait partie de la révélation. Il n'y a que les gens dévoyés qui sont venus après qui ont voulu séparer entre le Coran et la sunna. Car le Coran ne peut pas être compris sans la sunna. Et la sunna est venue conforter et détailler et ramener même des règles supplémentaires qui ne sont pas dans le Coran. Et suivre la sunna, c'est suivre le Coran. Et suivre le Coran, c'est suivre la sunna. Et ceux qui veulent mettre en opposition le fait de suivre la sunna ou le Coran, c'est comme s'ils voulaient mettre en opposition certains versets du Coran contre d'autres. Car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a ordonné d'obéir au messager. Celui qui a obéi au messager, il n'a fait qu'obéir à Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans plusieurs versets, ça c'est clair pour tout musulman, alhamdulillah, qui est sur la bonne voie, que le Coran et la Sunna ne sont pas dissociables, sont indissociables. Donc, cette science du Coran et de la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, que les savants ont, et qui sont le dhikr, le Coran et la Sunna, c'est le dhikr. Donc, quand Allah Ta'ala nous dit, fas'alou ahl al-dhikr, demandez aux gens du dhikr, maintenant qu'on a prouvé qu'est-ce que c'est le dhikr, le Coran et la Sunna, c'est-à-dire demandez aux gens qui connaissent le Coran et la Sunna. Demandez aux gens qui maîtrisent le Coran et la Sunna. Demandez aux gens qui comprennent le Coran et la Sunna quand vous ne savez pas. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit dans son tafsir, en expliquant ce verset. Ce verset ordonne de revenir, dans le sens de son en résumé, de revenir exclusivement aux gens qui connaissent le Coran et qui maîtrisent le Coran et la Sunna et qui comprennent le Coran et la Sunna. Et ce verset interdit de revenir aux gens qui ne sont pas les gens de science. Donc le musulman, quand il va demander à quelqu'un qui n'est pas apte à répondre, il fait en cela un péché et il met sa religion en danger. Est-ce que tu te verrais aller demander à ton boucher des conseils d'ophtalmologie ou demander à ton mécanicien de te faire une opération chirurgicale du cœur parce que tu as mal au cœur? Ah, il se débrouille, il connaît un petit peu, il a des outils, allez, tu t'allonges sur son pont et machallah, il va t'opérer comme il travaille sur les voitures. Quelqu'un penserait à faire ça? Jamais de la vie. Dans les choses de la vie mondaine, on est bien structuré, on comprend comment ça se passe les choses. Dans les choses de la vie d'ici-bas, on comprend très bien. On va voir un spécialiste pour chaque domaine, n'est-ce pas? Et même pas seulement on va voir un spécialiste. On se renseigne quel est le meilleur spécialiste. Et on cherche à savoir si ce spécialiste est de confiance ou non. On ne va pas mettre en danger notre vie, notre vue, notre santé comme ça. N'est-ce pas? Quelqu'un, quand il a un enfant, qu'Allah nous en préserve et vous préserve tous, qui est malade, d'une maladie rare ou grave, est-ce qu'il va chez le premier médecin comme ça qu'il rencontre dans la rue? Ou qu'il voit, il voit une plaque médecin comme ça, il entre? Non. Il va se renseigner, demander à gauche, à droite, demander aux gens de confiance autour de lui, demander à d'autres spécialistes, des médecins, quel est le meilleur médecin dans ce domaine. Et il va prendre rendez-vous avec lui, même si cela prend des mois d'attente pour, à la fin, aller chez lui car il se dit que c'est la personne qui maîtrise le mieux ce sujet. N'est-ce pas? Dans la religion, on n'agit pas comme ça. Premier venu, c'est halal? Ah d'accord. Il va, il pratique. Il lit un livre, il tape sur internet. Cher Google. Ah c'est bon, c'est sunna. Tout le monde est devenu expert, spécialiste dans la matière. Tout le monde.
Tout le monde répond. Tout le monde donne un statut religieux. C'est halal, haram, c'est sunna, c'est bid'a, c'est tout le monde. Plus personne ne fait l'effort de revenir aux gens dignes de confiance et aux gens qui méritent qu'on revienne à eux dans notre religion. Pourquoi on est prêt à attendre des mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, un médecin spécialiste, et on n'est pas prêt à faire un effort? Parce qu'il est clair que les gens spécialistes dans la religion, ils sont occupés. Quelqu'un qui n'est pas spécialiste, il a le temps, il n'a rien à faire, personne ne va vers lui. Donc les gens, ils n'ont pas la patience souvent. Ils se disent, oh, mais lui, le cheikh, il est trop occupé, je n'ai pas le temps, je vais demander à quelqu'un d'autre qui va me répondre. Ça, c'est facile. Ça, c'est une petite question, je peux demander à n'importe qui. Non, il n'y a rien de petit en islam. Une personne est venue me demander à l'imam Malik, j'ai une petite question. Il s'est fâché, l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, il n'y a rien de petit en islam, de futile en islam. Car on parle au nom d'Allah, on parle au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, les savants sont les signataires au nom d'Allah. C'est comme si tu désignes quelqu'un pour signer à ta place, pour faire des contrats à ta place. Qui les a appelés ainsi? L'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre, « I'lam al-muwakki'in al-rabbil alamin ».« Al-muwakki'in al-rabbil alamin », il les a appelés. Les signataires au nom du Seigneur des mondes, les savants. Parce que quand un savant, il te dit, c'est permis, ce n'est pas permis, c'est détestable, c'est préférable, c'est une sunna, c'est une bid'a, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est en train de te dire, Allah t'a dit telle chose. Chez Allah, telle chose, c'est comme ça. T'imagines c'est le poids que ça a? Est-ce que vous pensez que n'importe qui, parce qu'il a accès à Internet, il est devenu du jour au lendemain quelqu'un de capable d'être signataire au nom d'Allah? Non. Quand on a su que la religion, c'est la chose la plus importante dans cette vie, plus importante que notre corps, plus importante que l'air, plus importante que la nourriture, car c'est l'objectif pour lequel on a été créé, et que notre corps, on va le laisser, et l'argent, on va le laisser, il ne va pas nous suivre dans notre tombe, mais notre religion va l'emmener avec nous. Nos bonnes et nos mauvaises actions, elles vont nous suivre. Donc, est-ce que ce qui a plus de valeur, c'est ce qui va rester avec toi après ta mort, ou bien ce que tu vas laisser et tu vas partir? Est-ce que Allah Ta'ala, yawm al-qiyam, il va châtier quelqu'un parce qu'il n'était pas ingénieur ou architecte ou docteur, ou parce qu'il n'a pas réussi son bac, par exemple? Ou est-ce qu'il le châtiera s'il a échoué l'épreuve pour laquelle il a été créé dans cette vie? Attention, certains vont dire, lui, il veut qu'on ne fasse rien, on n'étudie pas. Je ne dis pas ça. Je veux que les ordres de priorité soient clairs chez le musulman. La base pour laquelle on a été créé, c'est quoi? Le plus important dans notre vie, c'est quoi? Le reste doit être en dessous de ça, doit suivre cette base, réglementer par rapport à cette base. Auparavant, les savants musulmans, ils n'allaient pas s'enfoncer dans des sciences de ce bas monde avant de maîtriser les sciences religieuses. Car aujourd'hui, on va aller apprendre certaines sciences de ce bas monde. Si la personne n'est pas apte, ne connaît pas bien les sciences religieuses ou bien ne revient pas aux savants pour certaines questions précises, il va peut-être apprendre des croyances ou des pratiques contradictoires à l'islam et il ne le sait même pas. Pour lui, il n'y a aucune contradiction. Il est ignorant de ce sujet. À titre d'exemple, on trouve beaucoup de musulmans qui vont étudier le droit. Comme ça, je veux être avocat. Ils ne se posent pas de questions. Est-ce que ce travail est halal ou haram? Qu'est-ce que ça implique comme croyance, comme pratique? Est-ce que c'est seulement permis dans des cas exceptionnels, avec une croyance saine ou non? Ils ne se posent pas ces questions-là. Ils voient qu'avocat, c'est un travail qui fait gagner de l'argent. Ils ne se posent pas la question, est-ce que ça peut mettre en danger sa religion ou non? Il va, il fait avocat. Il apprend les lois des hommes. Et peut-être même, s'il est ignorant de sa religion, croire que c'est permis de juger avec ces lois-là. Il va dire, oui, c'est permis de juger avec ces lois-là. Alors qu'il y a consensus entre les savants, bien sûr, il y a des versets qui prouvent cela, que celui qui croit que c'est permis, ou qui dit que c'est permis de juger par une loi, par autre que la loi d'Allah, c'est un mécréant. Seulement il croit, même s'il ne le fait pas. Il dit c'est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah. Car en faisant cela, il aura traité Allah de menteur. Car Allah, dans le Coran, il ordonne de juger par ses lois. Et toi, quand tu dis c'est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah, tu dis Allah, t'es un menteur. Car tu dis qu'il faut juger qu'avec tes lois, et moi je dis non, on peut juger avec d'autres lois. Est-ce que quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui traite Allah de menteur, c'est un musulman? Vous comprenez? C'est un titre d'exemple. D'autres qui étudient, par exemple, la psychologie. Et ils vont apprendre des concepts psychologiques de Freud, de je ne sais qui sont contradictoires à l'islam.
dans la nature même de l'homme, comment il est fait, de comment il pense, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. Peut-être il y a certains aspects qui sont profitables. Mais si la personne, elle n'a pas la science, si la personne, elle ne demande pas aux gens de science, comment elle va savoir ce qui est bon ou mauvais dans cela? Il va tout prendre en bloc. Et après, il va ouvrir un cabinet, mashallah, psychologue musulman, les gens vont aller tous chez lui et lui va les égarer un par un en leur donnant les concepts de Freud et je ne sais qui et en les éloignant de ce que le Coran et la Sunna dit. Donc, vous voyez combien on a besoin de la science religieuse dans tous les aspects de notre vie. Et quand, alhamdoulilah, la personne revient en savant, il apprend sa religion, les bases de sa religion et il revient aux gens de science dans chaque détail, les généralités ou les détails de sa vie, il fait des bons choix dans sa vie, dans son orientation, dans son travail, même s'il fait un choix, il sait comment le faire. S'il est amené à travailler dans une orientation qui est dangereuse, il sait quoi en laisser, quoi en prendre. Mais la personne qui n'a pas cela, il prend tout en bloc. Donc, en résumé, Allah Ta'ala nous a ordonné de revenir aux gens du rappel. Et quand on a compris donc l'importance de la science et l'importance de revenir à une science authentique, on comprendra qu'il faut savoir qui sont ces gens du rappel, comment les reconnaître. Quels sont leurs signes? Comment reconnaître qu'ils sont sur la voie sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé? Car si tu vas voir quelqu'un qui va t'égarer plus que te guider, on n'a pas besoin de ça. À la base, on va voir ces personnes en espérant qu'il va nous montrer le bon chemin, n'est-ce pas? À moins que quelqu'un suive ses passions, comme ça existe beaucoup. Les gens, ils cherchent la fatwa qui va l'arranger. Alors il va chez l'un, il va chez l'autre, il va chez l'autre. Il va chez l'autre jusqu'à ce qu'il trouve ce qui est en concordance avec ses passions et dit « Alhamdulillah, j'ai demandé. » Premièrement, est-ce que tu as demandé à la personne qu'il faut, dans toutes ces personnes? Est-ce qu'elles sont toutes aptes? Deuxièmement, est-ce qu'il t'est permis de suivre un avis quand tu sais pertinemment qu'il contredit le Coran et la Sunna? Tu as la certitude qu'il le contredit. Donc, pour savoir cela, il faut comprendre quel est le message et la da'wa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Quelle est notre prédication? Quelle est notre voie qu'on suit? Quelle est cette voie dont on a parlé au début, cette voie claire, dont on peut la distinguer aussi bien qu'on distingue la différence entre la nuit et le jour? Quelle est cette voie claire? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des bases et des fondements pour connaître quelle est la voie et la prédication des gens qui sont sur la voie claire. Premièrement, un des fondements de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des gens qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils appellent au tawhid, à l'adoration d'Allah exclusive, à lui vouer un culte exclusif et à ne jamais lui donner d'associé. Car cette prédication, cet appel, est l'appel de tous les prophètes et de tous les messagers. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire « Adorez Allah et délaissez le tarout ». C'est tout ce qui est adoré ou obéi ou suivi en dehors d'Allah en dépassant les limites. Quand on dépasse les limites dans l'adoration d'une chose ou d'une personne en dehors d'Allah, quand on dépasse les limites dans l'obéissance d'une personne ou d'une chose en dehors de la limite qu'Allah nous a déterminée, ou dans le suivi. Voilà avec quoi tous les messagers ont été envoyés. Et la base de notre da'wa, c'est celle-ci. La ilaha illallah. La ma'boud bihaqqin illallah. Personne ne mérite l'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'Allah qui mérite l'adoration. Et c'est l'objectif pour lequel il a créé les hommes et les djinns. Donc le premier caractéristique que l'on voit chez les prêcheurs du vrai et chez les savants de la sunna et chez les prédicateurs de la sunna, c'est qu'ils appellent au tawhid. Ils enseignent le tawhid et ils y donnent une importance particulière. Et ils donnent l'importance à la da'wa du tawhid beaucoup plus qu'à tous les autres appels. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose à laquelle il a appelé, c'est quoi? Le tawhid. D'ailleurs, à la Mecque, est-ce que d'autres règles religieuses ont été révélées au début? Non, la plupart des préceptes religieux, la prière à la Mecque, donc 10 ans après le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le reste, la plupart des règles religieuses ont été révélées à Al-Madina. La première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, c'est le tawhid, pendant des années. Et ne croyez pas quand on dit 10 ans d'appel au tawhid, après il y a eu les règles religieuses, c'est-à-dire après il n'appelait plus au tawhid. Non, 10 ans d'appel au tawhid exclusif. Mais en vérité, 23 ans d'appel au tawhid.
Mais pendant 10 ans exclusivement au tawhid, et pendant 13 ans le tawhid plus les autres règles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a éduqué les sahaba sur le tawhid, les sahaba qui sont les meilleurs de cette communauté sans aucun doute. Quelques jours avant sa mort, qu'est-ce qu'il leur dit ? Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs saints comme lieu d'adoration. Ne prenez pas mon tombeau comme lieu d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il met en garde contre le shirk. Sahaba, il y a des gens qui connaissent mieux que le tawhid que les sahaba. Il les met encore en garde contre le shirk. Il a peur pour eux du shirk. Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il fait partie des meilleurs parmi les meilleurs. Le bien-aimé d'Allah, parmi les meilleurs messagers. Les messagers déjà, ce sont les meilleurs des hommes. Et lui, il fait partie des meilleurs. Ceux qu'Allah Ta'ala a nommés, ulul azmi min ar-rusul, ceux dotés de volonté parmi les messagers. Ou ceux qui ont une grande valeur. Qu'est-ce qu'il dit ? Celui qui a cassé les statues avec ses propres mains. Celui qui a appelé au tawhid toute sa vie. Il dit, préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statues. Subhanallah. Ibrahim alayhi salam, il a peur pour lui, le shirk. Le prophète Yaqub alayhi salam, il demande sur son lit de mort à ses enfants, vous allez adorer quoi ou qui après moi ? Et il les appelle à adorer Allah seul, sans lui donner d'associé, et il les met en garde contre le shirk et de mourir en état de soumission complète. Donc si ces meilleurs hommes, qui sont les prophètes et les messagers, ils ont eu peur pour eux-mêmes et pour leur communauté du shirk. Comment nous on peut se sentir à l'abri du shirk ? Comment nous on peut croire que le tawhid c'est quelque chose d'acquis, qu'on n'a pas besoin d'y faire attention, qu'on n'a pas besoin de le préserver, qu'on n'a pas besoin de l'enseigner, qu'on n'a pas besoin de le protéger ? Comment ? Vous maintenant qui êtes venu ici à Mecca ou Medina, vous avez vu de vos yeux l'état de la communauté ? Combien de gens se prosternent devant la tombe du prophète ? Se frottent, invoquent le prophète en dehors d'Allah ? Allez au cimetière du Baqir, allez regarder ce qui se passe. Ça, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui s'affilient à l'islam. Et le fondement de base de l'islam, qui est le tawhid, ils ne le connaissent pas. Ou ils ne le pratiquent pas. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer et qu'on peut délaisser l'appel au tawhid maintenant ? Non. Et l'appel au tawhid, ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de points dans le tawhid. Il y a des points qui sont apparents, qui sont clairs, comme l'adoration des tombes, l'invocation des morts, le circumambuler autour des tombeaux, qui sont clairs. Apparemment, pour certains, ce n'est pas clair encore. Pour beaucoup, d'ailleurs. Mais qui sont clairs pour certains, pour d'autres. Mais il y a d'autres points qui sont subtils. Par exemple, là, tout à l'heure, quand on a parlé du fait de croire qu'il est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah. Combien de musulmans en France, ils ne savent pas ça ? Combien de musulmans en France croient que c'est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah ? Même s'ils disent la loi d'Allah, elle est meilleure. Et ça fait partie des annulatifs de l'islam de croire cela. Ça aussi, ça fait partie du tawhid, par exemple. Par exemple, le tawhid, il y a les points, celui qui ne les a pas, il sort de l'islam. Mais il y a d'autres points dans le tawhid qui font partie de la complétude du tawhid. Il y a des actes ou des paroles qui sont du shirk mineur, qui ne sont pas des moindres. Le shirk mineur, les frères, même si ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est le plus grand péché par lequel une personne est désobéie à Allah. Jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk. Dire par la grâce d'Allah et d'un tel, grâce à Allah et toi, c'est du shirk. Ça, combien on l'entend ? Celui qui a étudié le livre par Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed Abdel Wahab, il voit tous ces chapitres. Et comment les salafs, ils expliquaient les versets du Coran, les pieux prédécesseurs. Comme le verset « Ya'rifuna ni'amatallahi thumma yunkirunaha ». Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le rejettent. Ils ont dit ça, c'est celui qui dit « c'est grâce à un tel, c'est grâce à un tel ». Dire « c'est grâce à un tel », c'est renier le bienfait d'Allah. C'est contraire à la complétude du Tawhid, à avoir un bon Tawhid, même si ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est contradictoire. Ça, c'est que des exemples. Donc, l'étude du tawhid et l'appel au tawhid, c'est le premier signe apparent par lequel on reconnaît les gens de la sunna. Et c'est le premier signe apparent par lequel on reconnaît les prédicateurs de la sunna et les savants de la sunna. Et le premier signe apparent par lequel on reconnaît les prédicateurs et les savants de la bid'a, c'est qu'ils éloignent les gens du tawhid. Ils y portent peu d'importance. Ou ils dénigrent ceux qui enseignent le tawhid. Et des paroles dans le style « Oh, maintenant, tout le monde connaît qu'il ne faut pas adorer les tombes, on n'a pas besoin d'enseigner ça. Ah, tout le monde connaît le tawhid, hein, c'est pas ça qu'il faut enseigner maintenant. C'est acquis. C'est tellement acquis que vous voyez la situation de la communauté.
C'est tellement acquis qu'on voit même en France combien de gens qui s'affilient de l'islam, du matin au soir, ils sortent à la télé, ils disent des paroles contradictoires à l'islam ou qui annulent l'islam. C'est tellement acquis que même quand des musulmans sont interrogés dans la rue par les journalistes, tu entends des koufriyats matin, midi et soir de leur bouche. Tellement c'est acquis. Hein. C'est acquis, Allahu Akbar. Nous, on parle de la France, ça nous concerne, sans parler du monde. C'est loin d'être acquis. C'est très loin d'être acquis. Et même si c'est acquis, ça a besoin toujours d'être révisé et protégé et travaillé et mieux compris. Donc ça, c'est la première voie, le premier signe, le premier fondement par lequel, sur lequel est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur laquelle sont, ou sur lequel sont les prédicateurs et les savants de la sunna. L'appel au tawhid et l'importance donnée au tawhid. Et la mise en garde contre le shirk. Car l'appel au tawhid, ça va avec la mise en garde contre le shirk. Tu ne peux pas appeler au tawhid sans mettre en garde contre le shirk. La parole de l'islam, la parole de la shahadatain, elle est partagée en deux. La négation et l'affirmation. Donc tu nies que toute chose ou toute personne mérite l'adoration et tu affirmes qu'Allah seul mérite l'adoration. Donc il y a l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk. Les messagers, est-ce qu'ils sont venus, ils ont dit « U'budullah, c'est tout ?» Non. « Wajtanibu al-tarut » Adorer Allah et délaisser le tarut. Et connaître le mal, connaître le shirk, ça permet d'éviter de tomber dedans. Si quelqu'un ne connaît pas quelles sont les œuvres ou les paroles ou les actes de shirk, comment il va s'en préserver? Il ne peut pas. Donc, l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe par lequel on reconnaît l'appel authentique et la voie authentique sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, c'est l'appel à l'attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mise en garde contre les bid'ahs, contre les innovations religieuses. Car, subhanallah, c'est une réalité. À toutes les époques, l'être humain, il tend à s'égarer. Quand Allah Ta'ala a envoyé les prophètes, dès qu'il meurt, il y a des groupes qui se forment, des sectes, les gens divergent. Subhanallah, c'est la nature humaine. Allah a voulu comme ça. C'est la sagesse d'Allah. Si Allah voulait, comme Allah Ta'ala dit, s'il voulait, il aurait fait les gens une seule communauté. Ils ne divergent pas. Mais Allah a voulu par sa sagesse, pour nous éprouver, il a voulu que les gens divergent en tout temps. Les mécréants divergent avec les musulmans, c'est avec les différentes sortes de contradictions, selon leurs mécréances. Ceux qui s'affilient à l'islam divergent entre eux. Entre l'autre qui insulte les sahaba, entre l'autre qui rend mécréants les musulmans, entre l'autre qui a une définition de la foi contradictoire à ce que l'islam nous a laissé, entre des sectes et des groupes. C'est pas une chose qu'on aime. On aimerait bien que les gens ne soient pas divisés. On aimerait que les gens ils soient unis sur la vérité. On aimerait que la majorité, le maximum des gens soient guidés. Mais Allah en a décidé ainsi. C'est la sagesse d'Allah, c'est sa décision, on ne peut que s'y plier. Allah en a décidé autrement, qu'il y a une partie des gens en enfer, une partie au paradis. Allah en a décidé que cette communauté va se diviser. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Allah l'a décidé ainsi. On ne peut pas changer la décision d'Allah. On doit savoir maintenant comment agir face à cette réalité qui est là. C'est une réalité que personne ne peut nier. Et d'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, Tabarani, qui a été rendu authentique par le Hafiz al-Iraqi, Ibn Taymiyyah, Al-Wadi'i, Sheikh al-Albani, beaucoup de muhaddithin, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, clairement, il a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Ma communauté, quand il dit ma communauté, il ne parle pas de tout le monde, tous les gens après lui, c'est-à-dire mécréants et musulmans. Non, il parle de ceux qui ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes au feu, sauf une. Ça, c'est la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dans le Coran, il le dit et Ibn Mas'ud radiallahu anhu explique ce verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci est ma voie rectiligne, suivez-la et ne suivez pas les sentiers divergents ou dissidents.
Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a expliqué ce verset. Ce chemin droit, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fin, c'est l'entrée au paradis. Et que les petits sentiers qui divergent sont les sentiers de l'égarement, et à la tête de chaque sentier, il y a un appeleur qui t'appelle à l'enfer. Donc, cette réalité, elle est là. Et nous, on aimerait pour les gens qu'ils soient tous sur le bon chemin. Mais avant cela, il faut qu'on le connaisse pour nous et qu'on l'emprunte. Une fois qu'on le connaîtra pour nous et qu'on l'empruntera, on pourra y appeler les gens. Mais tant qu'on ne l'a même pas, même nous-mêmes, discerné, on ne le connaît pas pour nous et on ne l'a pas emprunté et on ne sait pas de qui prendre notre religion et comment pratiquer notre religion et on s'éparpille et on s'égare, comment on va appeler les gens à la vérité? On ne l'a pas trouvé pour nous. Donc avant tout, il faut reconnaître la vérité pour soi pour pouvoir la proposer aux autres. Comme souvent, à titre d'exemple, les gens qui veulent se convertir, qui sont un peu freinés, qui disent « Oui, mais si j'entre en islam, je vais diviser ma famille, et eux aussi, j'aimerais bien savoir comment eux aussi les sauver. » Donc il a peur des conséquences, il se pose des questions. Il sait bien que ça va poser des problèmes dans la famille. Ils vont le contredire, et ça va être même la guerre dans certaines familles. Et la réponse c'est « Si mon frère, toi, tu n'apprends pas à te sauver déjà toi-même, comment tu vas essayer de sauver ta famille ? Il faut que tu prennes le chemin de la guidée pour pouvoir les y emmener avec toi. Alors parce qu'eux, ils ne veulent pas prendre le chemin de la guidée, tu restes avec eux dans l'égarement. Et si Allah en a décidé autrement, et on a décidé qu'il n'y a que toi qui suis ce chemin et pas eux, qu'est-ce que tu vas changer à la sagesse et à la décision d'Allah ? Mais essaye, prends le droit chemin et essaye de les attirer aussi au droit chemin. Tout ça pour dire, si on veut unir la communauté et on veut qu'ils soient tous sauvés, ce n'est pas à nous-mêmes en allant s'unir avec eux dans leurs égarements. De s'éparpiller et de dire il faut s'unir à tout prix. Et d'aller avec eux dans l'égarement. Comment si toi tu prends le chemin de l'égarement, tu peux être la cause de les unir sur la vérité ou tu peux les amener dans le bien? C'est pas possible. La première des choses, c'est reconnaître le chemin du bien et l'emprunter. Reconnaître le chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé cette communauté et l'emprunter. Et reconnaître les autres chemins qui sont les chemins de l'égarement et les délaisser. Pour après pouvoir le proposer aux gens. L'expliquer aux gens, convaincre les gens qu'effectivement ce chemin c'est le bon chemin et que les autres chemins sont des chemins contradictoires au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mènent au danger. Que ce soit à l'enfer éternel pour les chemins qui, ou dans lesquels il y a du shirk akbar ou à l'enfer pour une période pour les chemins qui mènent pas au shirk akbar mais qui sont des innovations qui rentrent pas dans le shirk sauf si Allah veut les pardonner, ça c'est dans la décision d'Allah. Mais en tout cas, la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes au feu, sauf une. » Et il a décrit, il ne nous a pas laissé comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il a décrit, expliqué, exposé qui est ce groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé dans un hadith, le groupe sauvé. Pourquoi sauvé ? Sauvé de l'égarement. Ceux qui ont été sauvés par Allah. Ceux qu'Allah a préservés de l'égarement, qu'il les a choisis pour être dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces noms-là, ce n'est pas des noms que les gens ont donnés. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné ce nom à ses suiveurs, à sa communauté, aux gens qu'il va reconnaître le jour du jugement dernier, quand il sera au bord du bassin, qu'il va accueillir, qu'ils ne seront pas rejetés par les anges. Car les autres qui vont venir, qui n'ont pas suivi son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, les anges vont leur bloquer le passage pour ne pas pouvoir boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont lui dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas après toi. Ce chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, il nous l'a décrit. Il a dit, ce sur quoi je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Dans une autre version, il a dit, la communauté, le groupe des croyants. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a lu le verset. Qui sont les croyants dont Allah Ta'ala parle dans le Coran? Qui est le groupe des croyants? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le groupe des croyants, c'est qui? C'est les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis avec perfection. Voilà le groupe des croyants. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, à son époque déjà, et alors imaginez-vous, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont égarés et ont dispersé et le groupe des croyants, c'est le groupe qui est sur la vérité, même si tu es tout seul. Même si tu es seul, tu es le groupe des croyants tant que tu es sur la vérité. Donc le groupe, c'est pas une question de nombre. Il peut y avoir certaines périodes où ils sont beaucoup, les gens sur la vérité, comme dans les premiers siècles. Dans les premiers siècles, les gens sur la vérité et sur la sunna étaient plus nombreux, car ils étaient proches de la révélation.
Et les gens de la bid'a et de la dissension, ils étaient peu nombreux. Mais plus les siècles sont venus, plus ce s'est inversé. Jusqu'au point où les gens de la sunna aujourd'hui sont devenus des ghuraba, des étrangers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Il a dit, cette religion a commencé étrange. Et elle va redevenir étrangère aux gens comme elle a commencé. Alors qu'un arbre au paradis ou bien que le paradis soit dû aux étrangers. Ils ont dit, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Il a dit, ce sont des gens pieux en petit nombre qui sont au milieu de gens corrompus en grand nombre. Donc regardez comment la balance s'est inversée. Al-Ghuraba, c'est-à-dire ils sont maintenant devenus étrangers. Et les gens sur la vérité, ils sont restés en petit nombre. Et ils sont montrés du doigt et pointés du doigt et dénigrés. Comme l'islam a commencé au début. Donc, voici le deuxième principe sur lequel est fondée la prédication et l'appel et la voix de gens qui sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent au tawhid, ils mettent en garde contre le shirk. Ils appellent à la sunna et ils mettent en garde contre les innovations religieuses. Aussi, ils comprennent l'islam et ils pratiquent l'islam. Ils ne prétendent pas comprendre l'islam mieux que l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux siècles qui les ont suivis. Et c'est pour cela, en toute divergence de compréhension, ils reviennent au salaf. Le salaf en arabe, ça veut dire ceux qui nous ont précédés. Et en général, c'est utilisé dans le bon sens, c'est-à-dire en bien. Ceux qui nous ont précédés en bien. Ça peut être utilisé dans les deux sens, mais ici, il est voulu ceux qui nous ont précédés en bien. Et pourquoi on revient à eux? Parce que Allah Ta'ala nous a demandé de revenir à eux. En disant, et celui qui ne suit pas le chemin des croyants. En disant, les prédécesseurs parmi les muhajirin l'ansar et ceux qui les ont suivis avec perfection. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de revenir à eux, surtout quand les gens vont se diviser, que la communauté va se diviser, de rester ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le troisième fondement, c'est que jamais ceux qui n'étaient pas considérés comme une religion au temps des sahaba ou des tabi'in sera acceptable comme une religion aujourd'hui. Voilà le troisième fondement. Tout ce qui n'était pas religion à leur époque, ce ne sera pas religion à cette époque. Et jamais dans nos avis religieux ou juridiques, on sort un avis qui n'existait pas au temps des pieux prédécesseurs. Tout avis qui n'existait pas au temps des pieux prédécesseurs, il est rejeté. Sauf, bien sûr, dans les questions contemporaines, mais qui resteront sur les fondements des avis des pieux prédécesseurs, quoi qu'il en soit. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un vient et nous dit « Il est permis de faire le tayammum avec des feuilles de papier. » Parce que les feuilles de papier, ça vient de l'arbre, ça vient de la terre. Voilà. Il fait son interprétation du verset « Faites tayammum avec une terre pure. » Il dit « ça vient de la terre pure, donc c'est bon. Je peux faire tayammum avec une feuille de papier, par exemple. » Alors nous, on va faire quelque chose de simple avec lui. On va voir si cette parole, elle existe. Il y a une preuve sur cette parole du Coran et de la Sunna. Et pour que ce soit plus explicite, est-ce que les sahaba ou les tabi'in, ils ont compris le Coran et la sunna de cette manière? Et on va voir que les salafs, ils n'ont pas divergé sur le fait qu'on ne peut pas faire tayammum avec une feuille de papier. Ils vont diverger, est-ce que c'est que du sable, ou bien on peut aussi avec la pierre, ou ce qui sort de le calcaire, etc. Mais ils n'ont pas divergé sur, par exemple, ça. Ou faire tayammum avec de l'herbe. Pourtant, ça sort de la terre. Mais ce n'est pas de la terre. Quand on voit qu'aucun parmi les salafs n'a donné cet avis, on dira que cet avis est un avis innové. Et on dira que cet avis doit être rejeté. On ne le regarde même pas. Car on ne peut pas comprendre la religion mieux qu'eux. Eux, ils ont vécu la révélation du Coran. Ils étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis eux, ils l'ont transmis après aux tabi'in, qui ont vécu avec ceux qui ont vécu la révélation du Coran. Toi, tu viens aujourd'hui, 15 siècles plus tard, tu dis, on va moderniser l'islam, on va changer. Comme hein, il est passé à la télévision là, il n'y a pas longtemps. Oui, je ne dis pas aux musulmans qu'on va dénaturer l'islam. On va juste un petit peu l'adapter à la République française. C'est quoi alors l'adapter à la République française si ce n'est pas le dénaturer? Oui, l'islam peut s'adapter dans certaines choses, dans ce qui est halal. Par exemple, tu manges telle chose ou tu ne manges pas telle chose. Tu portes tel ou tel habit, tant que ça reste dans le halal. Mais les règles religieuses de l'islam, elles ne s'adaptent pas. Le haram et le halal, ça reste haram et halal dans le monde entier, en tout temps, jusqu'à la fin des temps, sauf en cas de nécessité absolue. Quelqu'un, il va mourir, il mange du porc, juste ce dont il a besoin pour rester en vie. Voilà, ça c'est les cas de nécessité absolue. Mais ça ne change pas le statut juridique du porc, ça reste haram. Il en a mangé que parce qu'il en avait une nécessité absolue à un moment donné. Et il ne dépasse pas la quantité dont il a besoin, par exemple. Donc, on ne peut pas comprendre l'islam mieux que l'ont compris les trois premiers siècles, qui ont reçu l'éloge d'Allah Ta'ala dans le Coran
et l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Donc, si toi tu viens, tu dis, il y a des gens aujourd'hui qui comprennent mieux l'islam que ces gens-là, en gros, tu es en train de dire le contraire de ce qu'Allah ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens sont mon siècle, puis ceux qui le suivent, puis ceux qui le suivent. Toi tu dis, non, il y a des meilleurs gens, les meilleures compréhensions sont après. Non, tout le bien, il est dans le suivi de ceux qui nous ont précédés. Et tout le mal, il est dans le suivi de ceux qui l'auront succédé. À l'époque des pieux prédécesseurs, il n'y avait pas de division, très peu. C'est pour ça qu'on les appelait Ahl Sunnah wal Jama'a. D'ailleurs, à la base, Allah Ta'ala nous a nommés Al Muslimin. Pourquoi à une époque, les savants ont commencé à nommer les gens Ahl Sunnah wal Jama'a, Ahl Al-Athar, Ahl Al-Hadith, les Salafis, les... Pourquoi ces noms? On va dire, on n'a pas besoin de ça, on est musulmans. Non, ils l'ont fait parce qu'il y a un besoin. Quand tous les musulmans étaient sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu disais je suis musulman, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Aujourd'hui tu dis je suis musulman, la personne va te dire musulman alaouite, musulman chiite, musulman soufi, musulman ash'ari, musulman mu'tazili, musulman quoi? Tu dis non, musulman de la sunna. Taïb, musulman de la sunna, qui accepte l'adoration des tombes ou non? Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ah, le sunna wal jama'a, ils acceptent l'adoration des tombes. Musulman de la sunna qui accepte qu'on demande l'aide aux morts ou non? Musulman de la sunna qui interprète les noms d'Allah ou il les interprète pas? Aujourd'hui, le sunna wal jama'a, les soufis se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les adorateurs des tombes se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les Ahbash se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les Ash'arites se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les Mu'tazilites se disent Ahl Sunnah wal Jama'a. Tout ça, ils sont sur des croyances et des pratiques contradictoires à la Sunna. Donc aujourd'hui, ce nom, il ne veut plus rien dire. Musulman quoi? Non, moi je suis un musulman de la Sunna, donc je ne suis pas un chiite, qui ne croit pas dans les fables et qui n'adore pas les tombes et qui suit la voie des salafs. En résumé, t'es un salafi. Donc, au lieu de faire une description de 10 pages, le résumé de ce mot, c'est le mot salafi. Je suis les pieux prédécesseurs. C'est pas une éloge que tu te fais à toi-même. C'est juste une explication de la voie que t'as choisie pour toi. La voie des compagnons. La voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sa communauté. Donc, cette appellation, elle est légiférée. Et ce n'est pas une appellation qui appelle à la division. Mais au contraire, c'est une appellation qui appelle à l'union autour de la sunna. D'ailleurs, le nom qu'avant portaient les salafistes, c'était Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la sunna wal Jama'a et de la communauté, du groupe. Car le groupe, il peut se former qu'autour de la sunna. Ils ne les ont pas appelés juste les gens du groupe, les gens de la sunna et du groupe. Car le groupe et l'union en tant que telle, elle ne peut se faire qu'autour de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est celui qui appelle à la voie des pieux prédécesseurs et qui se détermine suivre cette voie et qui met en garde contre les voies dissidentes, est-ce que c'est lui qui a divisé la communauté ou bien celui qui a choisi pour lui et qui a agréé pour lui une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre pratique que ce qu'Allah a légiféré et d'autres croyances et d'autres pratiques que ce que l'islam lui a demandé? Qui d'entre les deux divise la communauté? Sans aucun doute, celui qui a fait dissension d'avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a fait dissension d'avec le groupe des croyants, le groupe des gens de la sunna. Donc dire que utiliser le terme salafi divise la communauté, c'est un mensonge. Ce terme est là pour expliquer la voie qui est obligatoire pour tout musulman à suivre normalement. La voie des sahaba. Et ce n'est pas du sectarisme. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, comment il a appelé ce Coran? Al-Furqan, le discernement, celui qui divise. N'est-ce pas? Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana farqun baynan nas ». Je suis venu diviser et dissocier et discerner entre les gens. Et Omar, il s'appelait « Al-Farouq ». Celui qui avait le discernement, qui discernait entre le vrai et le faux. Donc si c'est dans ce sens-là, dans le sens de discerner entre le vrai et le faux, et de diviser entre ce qui est vrai et juste, oui, les salafis divisent dans ce sens-là, comme le Coran a divisé, et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divisé. Mais pas la division qui est réprouvée en islam. C'est discerner entre le vrai et le faux. Mais pas la division pour des passions, pas la division pour des partis politiques, pas la division pour des biens éphémères de ce bas monde. Pas moi, tu as mon parti, moi je suis mon parti, toi t'es ton parti, moi ma secte, toi ta secte. Chacun prétend avoir la vérité et sont heureux de leur... Non. Et dire que les salafis sont une secte parmi les sectes, c'est une injustice. C'est comme si on disait, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une secte parmi les autres sectes. Non. La salafia, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sectes, c'est ceux qui ont délaissé cette voie,
qui ne sont pas sur la compréhension des Sahaba, radiallahu anhum, qui ne veulent pas revenir, ou qui te disent clairement, je ne reviens pas à la compréhension des Sahaba. Clairement, ils te le disent. Non, moi je veux une compréhension moderne, je veux une compréhension contemporaine du Coran. Quelle déclaration plus claire que celle-ci. C'est une déclaration de lui-même qu'il est égaré. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui, il le dit de lui-même. Je ne suis pas la voix des Sahaba. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une personne comme ça? Il va falloir que j'aille m'unir avec lui dans ce faux aussi. Moi aussi, je ne suis pas la voix des Sahaba. Moi aussi, j'accepte que tu ne suis pas la voix des Sahaba. C'est pas grave, viens, t'es quelqu'un de bien. Non, akhi. Allah et son messager l'ont jugé comme un égaré. C'est pas à moi de choisir un autre jugement pour lui. Je suis un serviteur. Allah, il dit blanc, je dis blanc. Il dit noir, je dis noir. Droite, gauche, je sais pas à moi, c'est pas mon avis. Je suis un serviteur, moi. J'ai pas le choix dans la vie. J'obéis à Allah. Je suis sa voix. Il me dit assis, assis. Il m'a appelé au hajj. Je suis venu. Labbaik, Allahumma labbaik. Voilà. Je suis un serviteur. Un esclave, tu dis viens ici, viens. Mets-toi debout, debout. Assis, assis. Va chercher, va chercher. Un esclave. On est des esclaves d'Allah. Quand on aura compris ça, alhamdulillah. Donc, ça, c'est la troisième caractéristique des gens qui sont sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent au tawhid, ils mettent en garde contre le shirk. Ils appellent à la sunnah, ils mettent en garde contre la bid'a. Ils appellent à se faire juger et à comprendre le Coran et la sunnah selon la voie des pieux prédécesseurs et jamais selon une autre voie. Quatrième fondement, c'est que les gens qui sont sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tout point, ils reviennent pour se faire juger par la loi d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne devancent jamais rien au jugement d'Allah et de son messager. Et pas seulement comme certains groupuscules qui appellent à faire juger les lois d'Allah que dans les choses de la vie de tous les jours, mais ils ne veulent pas pratiquer les lois d'Allah sur leurs croyances égarées et leurs foi qui sont contradictoires à l'islam en rendant mécréants les musulmans, en faisant sauter les musulmans, en faisant des attentats, etc. Et ils te disent il faut juger par la loi d'Allah. Pratique la loi d'Allah sur ta croyance déjà. Et tu vas voir qu'elle est contradictoire à la loi d'Allah. La chose de base pour laquelle l'islam a été révélé, qui est la croyance, il n'y a pas la loi d'Allah là-dedans. La loi d'Allah pour eux, c'est que les peines légales, les juger entre les gens. À part ça, ils ont oublié la loi d'Allah. Dans la croyance, dans la pratique, dans le chemin qu'on prend, dans la sunna. Non, tout ça, ce n'est pas la loi d'Allah pour eux. Le sunna, ils appellent à juger par la loi d'Allah dans tous les domaines, grands ou petits, de la vie. Dans la croyance avant tout, dans le chemin qu'on prend, dans le comportement, dans les règles de vie, dans la politesse, dans les relations sociales, dans la société, dans les peines, dans tout. Et on ne délaisse aucun de ces aspects-là. Ça, c'est la quatrième spécificité, des spécificités de l'appel et la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. La cinquième spécificité, c'est que pour appeler à la voie d'Allah et pour emprunter ces voies, on n'utilise que des moyens légiférés. Et on n'utilise pas les moyens adoptés par les associateurs, par les mécréants qui sont propres à eux, ou par les sectes égarées. Et nous avons la ferme conviction que la da'wah ila Allah, l'appel à Allah, est une des meilleures adorations par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme toute autre adoration, elle n'est acceptée que si elle est faite et elle est pratiquée selon des règles déterminées par l'islam, qui sont la sincérité dans l'acte et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de faire cette adoration. De ce fait-là, nous ne voyons pas d'adopter des moyens qui sont spécifiques aux mécréants et qui sont contradictoires à l'islam dans la prédication, ou bien dans le fait de vouloir changer les choses ou dans la société, comme les manifestations, comme les grèves, comme les pièces de théâtre, la musique, les chants, les je ne sais quoi. Jamais, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ni les meilleurs siècles, ni les savants de l'islam qui les ont suivis, n'ont accepté ces moyens-là comme des moyens légiférés pour la prédication ou bien pour changer les choses. Car ce sont des moyens qui sont des moyens spécifiques aux gens du kufr et aux gens de la bid'a. Jamais les gens de la sunna n'ont accepté ces moyens-là. Et ça, c'est important de le savoir. Le musulman doit avoir des objectifs nobles, acceptables auprès d'Allah, mais aussi doit emprunter des moyens nobles et acceptables pour atteindre cet objectif. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention et un bon objectif pour se justifier d'utiliser n'importe quel moyen. Oui, mais c'est pour une bonne cause. La fin justifie les moyens, ça n'existe pas chez nous. C'est pas notre religion, la fin justifie les moyens. Chez nous, la fin, elle doit être légiférée. Et les moyens, ils doivent être légiférés. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une bonne intention, il a une bonne intention, il veut faire le bien, mais il n'utilise pas les moyens qu'il faut, il utilise des moyens interdits. Je vous donne un exemple. Oui, la jeunesse, mashallah, ils sont égarés, ils comprennent pas, on va leur expliquer l'islam en leur faisant des chansons. On va leur faire du rap, comme ils font aujourd'hui, là.
On va les faire rire, on va leur faire une pièce de théâtre. Parce que si on leur fait un discours comme ça trop froid pour eux, c'est trop technique, il faut leur faire quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ça existait déjà à l'époque, des soufis, ils ont fait ça. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a mis en garde contre eux, il a dit que c'était une bid'a ce qu'il faisait. Il réunissait les jeunes, enfin les jeunes ou les moins jeunes, je ne sais pas à l'époque si c'était les jeunes, aujourd'hui c'est les jeunes, les gens, et en faisant des chants, soi-disant, comme ils ont appelé les chants religieux. Et à partir de là, ils ont cru que c'était un bon moyen d'appeler à l'islam. On ne dit pas que ces gens-là, c'est des gens qui ils ont une essence mauvaise. Ils cherchent à faire le mal. Il y en a, ils cherchent à faire le bien, subhanallah. Mais ils se trompent de chemin. Ou alors, ils ont un manque dans leur base. Ils n'ont pas compris qu'il faut suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le bien et pour appeler au bien. Ou faire des mises en scène. Ah, on est là, on fait une mise en scène. L'autre, il fait un gars de la rue et moi, je fais un je ne sais pas quoi. Depuis quand ça fait partie de l'islam? Depuis quand on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les grands savants faire cela? Si c'était un bien, ils l'auraient fait. Ne t'inquiète pas, ils ont plus le désir de la guider des gens et l'envie de leur enseigner que toi et moi et nous tous réunis. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important. Barakallahu fik. A contrario, la personne qui utilise des moyens légiférés, en apparence, mais avec des mauvais objectifs, ça aussi, ce sera haram. Par exemple, quelqu'un en apparence, il utilise des moyens qui sont légiférés, qui ont l'air corrects. Mais son objectif, c'est atteindre la célébrité. Son objectif, c'est attirer les gens vers lui. Son objectif, c'est atteindre une place. Son objectif, c'est gagner de l'argent. Son objectif, c'est être aimé par les gens. Peu importe. Un objectif autre que chercher la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ça aussi, ce ne sera pas légiféré. Et les moyens et l'objectif doivent être concordants à ce qu'Allah demande de nous. Et pour finir, et on va finir avec ce dernier point, ça fait partie des fondements dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la voix des compagnons et dans la voix de ceux qui les ont suivis, de mettre en garde contre tous ceux qui contredisent les points qu'on a cités auparavant. Allah dans le Coran, combien de mises en garde il y a contre les gens qui sont égarés du bon chemin? Il y a des gens qui sont allergiques aux mises en garde fondées. Bien sûr, mises en garde avec science et justice. Il y a des gens dont ils sont allergiques. Celui-là, il ne lit pas le Coran. Tout le Coran, c'est des mises en garde. Mise en garde contre le shirk, mise en garde contre les juifs qui ont fait ça, mise en garde contre les chrétiens qui ont fait ça, mise en garde contre les savants qui ont appelé les gens à les adorer. Tout le Coran, c'est ça. Tout le Coran, il y a des mises en garde dedans. Cette personne, elle n'a pas lu le Coran ou elle a lu le Coran avec un cœur qui n'était pas présent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a entendu une personne qui faisait de la poésie et dans sa poésie, il y avait des mauvaises paroles. Inacceptables. Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, vous savez ce qu'il a dit? Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, le plus doux des hommes, celui qui a été envoyé par miséricorde pour les gens. Il a dit quoi? Saisissez-moi ce shaitan! Saisissez ce shaitan! Prophète d'Allah, il a dit, saisissez-moi ce shaitan. Si ce n'est pas une mise en garde, c'est quoi ça? Une autre fois, une personne, elle a voulu faire du bien. Il a dit, celui qui obéit à son Allah et à son messager, il est bien guidé. Celui qui leur désobéit à eux deux, il est égaré. C'est quelqu'un, il a voulu faire du bien, mais il a dit une parole qui n'est pas la parole qu'un musulman ait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quel mauvais orateur tu es pour les gens. Devant tout le monde, il l'a repris. Il lui a dit, dis plutôt celui qui désobéit à Allah, puis à son messager. Tu m'as mis à l'égal d'Allah. Une autre personne, un jour, il avait une bague. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pris de sa main, il l'a jetée par terre. Donc, et dans le Coran, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore plus après, parce que après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les égarements, ils ont été plus nombreux. Donc c'est normal qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a moins d'interventions comme ça. Parce qu'ils sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est les meilleurs des hommes. Donc leurs erreurs, elles sont comptées sur le nombre de, sur les doigts d'une main, ou sur les doigts de deux mains, il y en a moins. Et ils ont le moyen de revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils divergent, il va juger entre eux. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que les dissensions et la division sont apparues dans la Ummah. Pas tout de suite après, peu après. Qui est le premier groupe qui est apparu, dont on va dire les racines étaient déjà présentes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une personne qui a contredit le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, de sa descendance, celui-là, il va sortir telle personne. Et ils ont commencé à faire dissension avec les musulmans, et à appeler à désobéir au gouverneur, et à appeler à se réunir à destituer Uthman ibn Affan, etc. D'où le groupe des Khawarij est né après. Puis les Rafida, au début les Shia, qui se,
liés d'affection pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient des positions politiques qui voulaient que ce soit eux qui étaient devant, mais sans insulter les sahaba, sans les critiquer, et qui est devenu après une croyance, et qui a évolué, etc. Et les murji'a, qui sont venus dire non, la foi de Pharaon et la foi d'un ange, c'est pareil. Pas de différence. Les œuvres ne font pas partie de la foi. La foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et les soufis qui ont commencé à inventer des zikres et à faire des choses. Et les mu'tazilites qui ont été touchés par la philosophie grecque et qui ont rentré ilm al-kalam, la science de la rhétorique dans l'islam, et ils ont commencé à interpréter les noms d'Allah. Tout ça, c'est venu après. C'est normal. Le prophète Sarasim n'était plus là pour juger entre les gens. Bien que la sunna, elle était apparente et les savants de la sunna, ils étaient en nombre et que les gens, la plupart, ils obéissaient aux savants de la sunna. Mais les premières divisions, dissensions et égarements ont apparu. Et en tout temps, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna de mettre en garde contre les innovateurs et les innovations. Ils l'ont fait. Le prophète Sarasim, c'est le premier à l'avoir fait, à mettre en garde contre le mal. Et les sahaba, ils l'ont fait encore plus que lui parce qu'à leur époque, déjà, ils ont vu beaucoup d'innovations. Et ceux qui les ont suivis parce que les innovations n'ont fait qu'augmenter. Bien sûr, ceci est conditionné. La personne qui met en garde, c'est une personne qui est apte à le faire. Elle ne cherche pas en cela à diminuer son frère ou sa sœur ou à l'insulter. Elle ne cherche pas en cela à se venger. Elle ne cherche pas en cela à se montrer. Elle ne cherche pas cela, elle n'est pas jalouse de cette personne. Elle ne cherche rien de tout cela, elle cherche la face d'Allah. Donc elle est apte à faire cela, c'est-à-dire elle a la science pour faire cela. Parce que si tu n'as pas de science, toute chose que tu ne connais pas, tu vas trouver que c'est un égarement, alors qu'en fait, c'est toi qui as tort. Et on trouve des fois, le masjid al-haram, des gens ils vont vous reprendre. Alors que c'est, ce que tu fais, c'est une sunnah, mais il n'est pas habitué. Dans son pays, il ne connaît pas cette chose-là. Donc quand il te voit, toi, pratiquer cette chose, il vient te reprendre. Il dit, mon frère, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Alors que c'est lui qui a tort. Toi, ce que tu pratiques, c'est une sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous est arrivé pendant ça, entre Safa et Marwa. Quand on passe les lumières vertes, il faut courir fort. Alors nous, on courait, machallah. Ah, il est venu me voir comme si j'avais fait un crime. Mais pourquoi tu cours? Il faut marcher doucement, il faut juste trotter. Je lui dis, le hadith, il dit ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il courait vite, etc. Non, il n'a pas voulu accepter le mouhim. Donc pour vous dire que pour reprendre quelqu'un, il faut de la science. Si tout ce que tu ne connais pas, tu le reprends, on ne va pas s'arrêter. Il faut que la personne qui reprenne, il a assez de science pour comprendre que cette œuvre est contradictoire à l'islam. Deuxièmement, il faut de la justice. Il ne faut pas rajouter des choses sur la personne qu'il n'a pas faites ou qu'il n'a pas dites. Il ne faut pas lui attribuer des paroles ou des actes qui ne sont pas les siens. Mais être juste dans ce qu'on dit. Cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, les gens de la sunna qui suivent les salafs, ce sont les gens qui connaissent le mieux la vérité et qui sont les plus miséricordieux avec les autres. Donc, voilà la voie prophétique, voilà la voie des savants qui sont sur la sunna, et voilà chez qui on doit aller apprendre notre religion et qui sont ces savants qui sont sur la sunna. Ceux qui n'ont pas ces caractéristiques, ou selon le manquement qu'ils ont, le manquement sera plus ou moins grand, mais ce ne seront pas des gens fiables chez qui on peut apprendre notre religion. Car ils ne vont pas nous diriger vers un bon chemin. Maintenant qu'on sait que la communauté elle est divisée et que cette réalité, elle, on ne peut pas la nier, il faut au moins savoir quel est le groupe qu'Allah Ta'ala a choisi, quel est ce groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le groupe sauvé, le groupe qui va recevoir l'aide d'Allah Ta'ala pour pouvoir être avec eux et appeler les autres à ce chemin. Ça ne veut pas dire, ah ouais, moi je suis dans le groupe sauvé, hein. Ah vous êtes tous égarés. Non, dénigre même pas un kafir. Un kafir, tu le détestes pour Allah. Mais tu sais pas, cette personne, peut-être, subhanallah, demain, il peut être plus pieux que toi. Il fait tawba, il vient mieux que toi. Ne t'enorgueille pas sur lui pour rien. Espère pour lui la guider. Si ça, c'est pour un kafir, qu'est-ce qu'on va dire pour un musulman égaré ou qui est... On doit porter de la miséricorde dans notre cœur. On doit aimer le bien pour les autres comme on l'aime pour nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire par là qu'on doit s'allier avec eux dans leurs faux. On peut pas faire ça. Ça ne veut pas dire par là qu'on doit agréer leurs erreurs. On n'agrée pas leurs erreurs, on s'allie pas avec eux dans leurs faux, mais on les appelle au bien. On patiente sur leur mal, on leur expose la vérité et on avance comme ça avec, Inch'Allah, sagesse et science jusqu'à en espérant que la majorité ou qu'une grande partie de la communauté revienne à cette voie bénie et emprunte cette voie bénie qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaisse toutes les autres voies qui sont dissidentes et contradictoires à la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Ce sujet aujourd'hui, mes frères, c'est un sujet qui est essentiel. Quand vous verrez aujourd'hui tous les problèmes qu'on a dans les communautés, c'est à cause de quoi si ce n'est pas à cause des sectes? Regardez bien. À titre d'exemple, les Daesh et les je ne sais quoi, les fous. Quels savants ils ont consulté pour faire ce qu'ils font?
quel genre de science, quel genre de la sunna ils ont suivi pour aller dans leur chemin. Ali ibn Abi Talib, quand il a envoyé Abdullah ibn Abbas discuter avec les Khawarij pour les convaincre qu'ils sont sur le faux et revenir à la vérité. Vous savez comment il les a trouvés ? Adorateurs, jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ses compagnons, l'un de vous il va mépriser sa prière par rapport à leur prière. Les sahaba. C'est des gens, ils ont de l'adoration, ils montrent des signes apparents de piété, mais ils sont égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche, elle traverse sa cible. Ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur clavicule. C'est-à-dire, ils ne touchent pas les cœurs, ils ne le comprennent pas. Donc, Abdullah ibn Abbas est venu discuter avec eux pour les convaincre qu'ils sont dans le faux, pour les convaincre de revenir à la vérité. Et l'argument, l'un des arguments les plus forts qu'il leur a présenté, c'est qu'il leur a dit, ne voyez-vous pas qu'aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec vous dans votre groupe? C'est-à-dire, si c'était un bien, ce sur quoi vous êtes, est-ce que vous pensez que les savants ils vont le délaisser et vous seul, vous l'avez compris? Les savants qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont la science de la religion, ils ne vous ont pas rejoint dans ça. À elles seules, c'est une preuve que vous êtes égarés. Car les gens qui ont la science, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui aussi, c'est un moyen de reconnaître l'égarement et la guider. Quand on voit les gens de science de la sunna qui sont unanimes sur l'interdiction d'une chose, qui sont tous ensemble pour dire que cette chose, c'est un égarement. Ou si un, il a fait l'erreur, ça peut arriver dans certains points, les autres, ils l'ont repris, ils permettent des choses contradictoires à l'islam. À partir de là, comment toi, tu peux avoir, on va dire, cette confiance en toi, ce surplus de confiance qui arrive à un point d'orgueil parfois, de croire que tu comprends mieux que les savants, que tu comprends mieux que ceux qui ont étudié la science, que tu es capable de toi-même de savoir quel est le bon chemin et le mauvais chemin, sans revenir aux gens de science qui ont passé leur vie à étudier le Coran et la Sunna et qui l'ont hérité de gens qui l'ont hérité, de gens qui l'ont hérité jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu délaisses les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vas écouter les héritiers d'Abdullah Saba ibn Saba al-Yahoudi ou bien des égarés, les alliés de Shaitan. Et comme ça, tu crois que tu vas être bien guidé. Mes frères, ça, aujourd'hui, c'est un message qu'on doit passer à toute la communauté musulmane pour qu'ils ne soient pas trompés par les gens qui les mettent en danger, en premier lieu, dans leur religion, qui mettent en danger leur au-delà, qui mettent en danger l'islam et les musulmans, qui mettent en danger leur personne, qui oppriment des innocents et qui montrent une mauvaise image de l'islam et qui salissent notre travail. C'est-à-dire le travail qu'on fait, il y en a d'autres, ils viennent le détruire à la base. Notre travail qui est d'appeler à l'islam authentique, d'essayer d'être un guide pour les gens vers le bien, d'essayer de leur montrer le chemin par lequel ils vont être sauvés auprès d'Allah. Et ça à diverses étapes. Là, j'ai parlé de l'exemple des Khawarij par rapport au tekfir, mais il y en a d'autres, des innovateurs qui salissent l'image de la sunna, qui dénigrent les gens qui sont sur la sunna ou les salafis, qui veulent les montrer comme des gens en marge de la société ou qui comprennent rien ou qui divisent les gens ou c'est des sectaires. Tout cela aussi, ils travaillent à détruire l'islam de l'intérieur. Tout cela. Car ils empêchent les gens de se rapprocher de l'islam authentique et de le pratiquer. Ils empêchent les gens de suivre la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés. Ce qui est très grave. Pour revenir donc au sujet de notre assise, qui était l'importance de la science et le respect des savants, et l'importance de savoir quelle est cette science et quelle est la nature de cette science et de cette voie qu'on doit apprendre. Donc c'est en cela qu'on doit savoir, barakallahu fikum, de qui on prend notre religion, de ne pas prêter oreille à n'importe quelle personne qui parle, de ne pas aller écouter tout audio qu'on trouve sur YouTube, de ne pas aller sur Twitter lire toute parole qui est écrite par n'importe qui, par n'importe quel inconnu, par X ou Y, de ne pas croire qu'on est préservé de l'égarement et de l'erreur et qu'on peut être autodidacte. Oui, Allah t'a donné, alhamdoulilah, une raison. Mais justement, prends des gens de la sunna et ta raison, elle t'aide à comprendre ou à discerner si c'est vrai ou c'est faux. Mais ça ne veut pas dire par là que tu es capable de tout discerner. Car tu n'as pas la science infuse. On est tous nés ignorants. La science, elle s'apprend. La science ne vient qu'en apprenant. Et en apprenant chez des gens de confiance. C'est des gens de confiance qu'on sait d'eux qui ont un niveau d'enseigner pour pouvoir enseigner et qu'on sait d'eux qui sont sur un chemin clair sur lequel il n'y a pas de doute. On demande qu'Allah unisse la communauté sur la sunna, qu'il élève les malheurs qui touchent la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les maladies et les guerres et les injustices qu'elles subissent. Et tout ça, mes frères, ce n'est qu'à cause du fait qu'on s'est éloigné de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on ne mérite pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on croit qu'on va avoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sans en faire les causes pour la mériter.
سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما